Aujourd'hui, on va vous parler de notre passage en Drôme. La Drôme, c'est là. En fait, on va pas seulement vous parler de la Drôme, parce qu'on a beaucoup voyagé en étant là-bas. C'est vrai. De la Mongolie à l'Amazonie, en passant par les pays d'Europe centrale, c'est un voyage musical que nous ont proposé les artistes qu'on a rencontrés. On a d'abord rencontré Ghislaine, qui a commencé son parcours en tant que chanteuse de bal populaire et qui a ensuite décidé de faire du chant autrement en lui donnant une dimension plus thérapeutique et un peu plus spirituelle. Du coup, elle a suivi 10 ans d'enseignement pendant lesquels elle a appris des techniques de soins ancestrales et surtout des chants sacrés traditionnels de différentes communautés du monde. Elle a souhaité partager ce qu'elle a vécu et appris au travers d'un concert méditatif pendant lequel elle invite les gens à voyager dans différentes parties du monde et surtout au travers d'eux-mêmes. Elle propose aussi des ateliers de yoga du chant auxquels on a eu la chance de participer. Il y a des personnes qui ne savent pas chanter, qui ne chantent pas forcément juste, qui viennent parce qu'on ne va pas chercher à faire du beau comme dans une formation chorale, une formation concert où il faut qu'il y ait un rendu esthétique. On va juste chercher à faire du vrai pour soi. On n'est pas là pour recevoir « Oh là là, qu'est-ce que tu chantes bien et très haut et c'est beau ». Le truc, c'est beau parce que l'émotion et, comme tu dis, cette proximité avec l'être, avec l'âme, avec l'intérieur, va créer une vibration, une harmonie qui va directement parler à l'autre dans son cœur et dans son âme. Et l'autre va répondre de la même façon. Et c'est ça qui est beau. En Drôme, et plus précisément à Dieu le Fit, on a aussi rencontré un groupe de musique klezmer qui s'appelle Ganef. Pour résumer, la musique klezmer, c'est une musique traditionnelle des communautés juives, principalement d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. C'est une musique qui a plein d'influences différentes et qui a beaucoup évolué. Ce qu'on a entendu, c'est plutôt très festif, et ça se joue principalement dans des fêtes, des mariages, etc. Et c'est une musique qui invite à danser. Finalement, il y a un milieu klezmer assez vivant. Ça concerne pas beaucoup de gens, mais il y a des gens un peu partout en Europe et aux États-Unis. Principalement qui jouent ces trucs-là. Il y en a même au Japon, c'est assez marrant. Ça renvoie aussi à peut-être à une façon de donner la musique, c'est-à-dire une musique, elle n'est pas populaire parce qu'elle est populaire, c'est peut-être plus la façon dont on la porte et dont on la donne qui fait qu'elle devient populaire. Voilà. On peut faire la musique classique et de la jouer d'une façon populaire, c'est-à-dire une façon de l'offrir, une ouverture, varier les publics, les milieux, etc. Un style musical, c'est une globalité, quoi. Et il faut plonger dedans, c'est pas une succession de notes, c'est plus que ça. La musique, c'est toujours plus qu'une succession de notes. C'est tout ce qui s'échappe. De ça, une attitude, des ornementations, un son, une façon de jouer, un rapport au corps et à la danse, etc. On n'a pas juste voyagé en Drôme. On a aussi rencontré des gens qui ont un autre lien avec la musique. Des organisateurs, des bénévoles. Bref, les personnes qui font partie des dessous du spectacle. Mais pour découvrir cette partie-là, il faudra attendre le documentaire.